L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut dans certains cas remplacer des si imbriqués par la fonction si multiple. Vous voyez ici, on avait le port à trouver pour une commande en fonction de sa destination en allant dans ce tableau de correspondance trouver pour DOM, qu'est-ce qu'on a en face, en prix de port. Si on fait ça avec des si imbriqués, ça donne cette fonction-là, c'est-à-dire qu'on va tester plusieurs fois la case B10 pour savoir quelle est la destination et ensuite. Donner le port qui correspond. A chaque fois qu'on est dans ce genre de cas, on peut utiliser un si multiple. Le si multiple, on va lui donner une cellule et on va la tester à plusieurs reprises et donner la correspondance pour chacun des cas qu'on va avoir déterminé. Donc, je lance l'assistant des fonctions, catégorie logique, si multiple, suivant. Première chose qu'on lui donne, c'est quelle est l'expression qu'on veut tester. C'est-à-dire la cellule où se trouve l'info à tester. Pour nous, c'est DOM dans la case B10. Ensuite, on lui donne la première correspondance. C'est-à-dire si la destination c'est la France, alors le résultat ce sera 4 euros. On continue avec la deuxième ligne du tableau. Si B10 c'est DOM, alors on fera 7,50. Sinon, si... B10 est égal à Tom, alors on fera 9 euros. Alors on verra après, hein. on n'est pas obligé de faire le dernier test. Je fais OK. Et ici, vous voyez que ça donne bien la même chose. Ici, si j'écris France, ça donne bien 4. Si j'écris Tom, ça donne bien 9. On peut un peu améliorer la fonction si multiple. Je retourne dans FX. Le dernier test. Vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que si ce n'est pas France ni Tom, c'est forcément DOM. Donc, ça veut dire que dans le test 3, vous n'avez qu'à donner le résultat que vous voulez obtenir dans la case valeur 3. Donc ici, c'est 9. Vous voyez que ça fonctionne aussi. Donc ça, l'avantage, c'est que l'écriture de cette fonction est bien plus simple ainsi imbriqué. Je donne la, la cellule à tester, je la compare à A15, je donne le résultat si c'est bon, je la compare à A16, je donne le résultat si c'est bon, et ensuite je donne le dernier résultat à la fin puisque c'est pas utile de l'intégrer, il ne reste plus que lui à traiter. Et voilà